Oui, bonjour, je m'appelle Marie Aboumrad et je suis conseillère au développement institutionnel au Cégep Édouard-Montpetit. Alors, je vous suggère de lire Les Rois maudits, qui sont une série de romans écrits par Maurice Druon dans les années 50 jusqu'dans les années 70. C'est une histoire abracadabrante, extraordinaire. En fait, c'est d'abord et avant tout un roman historique sur Philippe le Bel, le roi de France dans le 14e siècle, et sa relation autant avec sa succession qu'avec l'autorité ecclésiastique du moment. Alors, pourquoi est-ce que je vous recommande ces livres? En fait, je n'ai que le premier, il y en a 7 au total. C'est parce que d'abord, c'est un langage facile. Donc, c'est une lecture qui peut très bien se faire un peu fatiguée dans l'autobus. Les phrases sont courtes, mais pour autant, ça ne veut pas dire que le vocabulaire n'est pas intéressant parce que justement, l'auteur est allé vraiment chercher le pouls, les images, la réalité historique du Moyen Âge en France et en Angleterre. Et c'est vraiment un univers là, devant lequel on est ouvert, devant lequel on est émerveillé, presque plus que devant les films faits sur la même époque. Notamment, il y en a un avec Mel Gibson sur William Wallace, qui est un personnage qu'on retrouve dans Les Rois maudits, mais ça se passe trop vite. Il n'y a pas l'éloge de la lenteur telle qu'on l'a connue au Moyen Âge. Et pour ça, ben, un bon livre, c'est prendre son temps. Alors, bonne lecture!